Nous devons réduire cette expression littérale où il y a une soustraction. Alors, on voit que si on soustrait deux multiplications, où il y a un facteur commun qui est x, je vais donc factoriser par x. C'est la grande addition, la soustraction, les deux multiplications, le facteur commun est x. Je vais considérer que cette soustraction n'est plus une soustraction, mais une addition d'un nombre négatif. Je vais penser le symbole moins, non plus comme une soustraction, mais comme un nombre négatif, ce qui va grandement me simplifier tous mes calculs de toute la leçon. Ainsi, on a 5x plus moins 7x. Le premier coefficient est 5, le deuxième coefficient est moins 7. Je vais donc factoriser par x. Premier x, deuxième x que je factorise. Et dans les parenthèses, je vais retrouver le premier coefficient qui est 5 et le deuxième coefficient qui est moins 7. Je prends le signe moins avec le 7, c'est un nombre négatif, donc une soustraction. Je poursuis le calcul en calculant 5 moins 7. 5 plus moins 7, j'applique la règle du calcul des nombres relatifs, je trouve donc moins 2x.